Eh bien, salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 44 de World of Warcraft dans le cadre des chroniques du Nanch. Salut les potos, aujourd'hui, grand concours pour les pros de la pêche. Pour gagner, il suffit d'être l'un des 50 premiers du monde à me rapporter un joli tas de courbines frétillantes. À vos cannes. Là, c'est marrant, tiens. Concours de pêche. Donc bienvenue dans cet épisode 44, voilà, ça m'a un peu perturbé du coup cette intervention de gobelin, de ce gobelin, de ce message de gobelin. Justement, on est dans la capitale risque, donc c'est une cité gobeline, hein, donc voilà, on avait fait les quêtes la dernière fois là, on s'était quitté là. Donc le programme d'aujourd'hui, ça va essayer de finir les quêtes, continuer les quêtes de Struggle Rounds, voilà, et en même temps, du coup, regarder peut-être à voir, parce que j'ai bien envie quand même de faire une instance. On va regarder c'était quoi l'instance, la dernière instance qu'on avait faite, c'était le Kral. Et on peut attaquer maintenant Maraudon, côté la grotte maudite. La grotte maudite, d'accord. Alors Maraudon, c'est en 3. 3 et 3. En 3 morceaux, quoi. Il y a 3 parties. Maraudon, c'est une très grosse instance. Donc. Alors ici, j'ai des chasseurs de grands feux, des panthères ombre-gueule à chasser, c'est par là. Mais le truc, c'est que j'ai quand même bien envie de continuer à quester quand même aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est quand même une... Ah bah purée, il m'a aggro de loin, lui. C'est quand même une région où il y a pas mal de quêtes, et j'ai envie d'avancer, en fait, hein, au niveau des quêtes, donc... je pense pas... Pas qu'on va faire d'instance aujourd'hui. Bon, on verra en fonction de la tenue des événements. Peut-être on ira en instance, je sais pas, on verra. Alors, pour l'instant, on va faire. On va faire la quête avec les panthères. Bamba là, c'est quoi ça? Oh, mais c'est une cité horde ça. Ça, vous voyez, c'est une cité horde. En fait, avec des quêtes pour la horde. Alors, faut que je me méfie de pas trop m'approcher parce que sinon je vais aggro. Et si j'aggro des. Si j'aggro des. Comment dire? Des PNJ horde, ça peut faire très mal. Ça peut faire très très mal. C'est vraiment une région mystérieuse, j'aime bien cette région, elle est vraiment... J'adore l'ambiance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vieil hôtel, on sait pas trop à quoi ça sert. Bon, pour l'instant je cherche... Non, ça c'est pas ça... Alors là, je me dis que c'est plutôt les panthères qui vont me trouver plutôt que l'inverse. Parce qu'elles sont en mode furtif, donc du coup on les voit pas. Maître de vol. Ouais, vous voyez, c'est... C'est le truc de la horde, ça. Il n'y a pas de doute, on est près d'une cité de la Horde. Ça, c'est un griffon. Enfin, c'est l'équivalent de nous, nos griffons, en fait. Hein. Donc, faut pas que j'oublie qu'effectivement, je suis en fait, effectivement,
On est en zone PVP, donc ce qui veut dire qu'on peut, tomber contre un... joueur de la Horde. Ça pourrait très bien arriver. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé dans cette... Ah, voilà une panthère. C'est pas encore arrivé dans cette série, mais... À mon avis, ça va plus trop tarder. Ça c'est quoi ça? Bactéra. D'accord. Ça sert à un mode de... Je dois pas encore la tuer. Ça en fait c'est le... Ah. L'hommage évidemment à Bagheera. Ça paraît évident. Du livre de la jungle. Alors il m'en manque encore deux. Ah, ici, dans le sud, il y a... D'accord, ok. Là, on peut trouver des panthères et des tigres. On va... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là. Bon, on va se mettre l'indicateur. Ah bon, on l'a déjà mis. Allez, on va par là. Alors, si on passe là, on va se faire... Faut qu'on évite la cité de la Horde, sinon on va se faire... dépouiller. Faut éviter les ogres. Ok, il en restera une à tuer. Ok, on continue. Décidément, on a de la chance avec les... On a de la chance avec les herbes aujourd'hui. On en cueille plein. On va essayer de pas aggro les reptiles là. Gros raptor là. On va reprendre notre monture. Normalement si on reste sur la route, on risque pas grand, on risque moins d'aggro des mobs. Ah, nous là dans la zone on va pouvoir trouver aussi des tigres. J'ai reçu un message en fait me demandant d'intégrer une guilde. On verra ça plus tard. Je ne suis pas...
se faire encore cette panthère là. Il restera encore les tigres à faire après. Alors, chasseur de grands fauves, les panthères. Les panthères au Brogol n'ont pas su résister à vos talents de chasseresse. Il ne vous reste plus qu'une tâche à accomplir. Je parie que c'est là qu'il faut le tuer Bactéra, évidemment. Et voilà, Bactéra a gagné. Vous êtes presque devenu un maître chasseur de panthères, mais il en reste une qui, jusqu'à maintenant, vous a échappé. Des chansons ont été composées sur une puissante panthère nommée Bactéra. Voyez si vous pouvez mettre vos compétences à l'épreuve en tuant ce fauve. Rapportez le croc de Bactéra à Erganin. Suffira. Alors, rapporter le croc de Bactéra à Erganin suffira à prouver que vous avez maîtrisé l'art de la chasse de la panthère. Récupérez le croc de Bactéra. Bah. Oh, par contre, une pièce d'or 40 et 9000 points d'expérience, ça se prend. Effectivement, elle est là, puisqu'on l'avait trouvée. On l'a vu. Tout à l'heure. Avant d'ici, je suis censé aussi trouver des tigres. Pour l'instant, j'en vois pas. C'est davantage les panthères qui me trouvent. Ah, ici, il y a une panthère, un tigre. L'avantage c'est que les tigres sont pas en furtivité, donc on les voit normalement, on les aperçoit assez facilement. Quand ils sont pas, il n'y a pas tellement de tigres. Ce qu'on va faire, on va retourner voir Bactéra. Ce sera ça de fait. Avec 9000 points d'expérience à la clé, et ça pourrait même nous faire passer le niveau ni de level cette histoire, non? Attendez, 99000, il faut 117000. Ah non, pas encore. Pas tout à fait. Ça va quand même nous permettre de faire un grand bond en avant dans la barre d'XP. Les ogres, d'accord. Alors Bactéra, elle est où? Ah, inquiétante cette musique. Là, je grimpe, mais je m'approche pas vraiment de là où je dois aller. Ouais, si c'est bon. Là. On arrive. On se perd dans la jungle là. La Bactéra. Ok.
c'est parti. Ok. Bon, ça c'est fait. Ensuite, alors ici, 4 chasse nanana. Chasse, excelsior, peau d'ancien crocilisque. Ah ouais. Bon, on va aller là parce que du coup, ici, il y a des bestioles à trouver. On retourne où on était tout à l'heure, en fait. Elle me laisse pas cueillir ma plante tranquille. Ah, non mais. On va se manger un coup aussi, tiens. Un petit bœuf, voilà. Encore 3 tigres à tuer, pardon. Des têtes de crocodiles. Enfin, un ancien crocilisque à tuer aussi. Enfin, à récupérer sa peau en tout cas. Là j'en vois un là-bas de tigre. Les crocodiles, il va falloir en tuer plusieurs. Ça va pas tomber tout de suite. Alors ici, c'est la fête du... C'est la fête de la plante. Hein. Par contre, avec ce que je cueille, je peux pas faire de potion. Ça, par contre, c'est moins bien. Bon, c'est pas grave. Oh, un mob rare. Viens là, toi.
Tu vas peut-être me goûter un truc, un objet intéressant. Oh, niveau 40. Qu'est-ce qu'il m'a goûté? Ouais, c'est de la maille aussi. Moi, je porte de la plaque. Oh, Uldaman en donjon. Ça m'intéresse. C'est une belle instance, Uldaman. Qu'on fera incessamment sous peu. On en a plein d'autres à faire avant. Par contre, là, je vois pas de... déjà pêché, j'en ai déjà 3 sur 3. Ouais, il faut encore un tigre. Je serais bon au niveau des tigres. Et par contre, j'ai les crocodiles ne donnent pas la peau que je recherche. J'en ai tué 2 déjà et pour l'instant pas de peau. C'est le cas de le dire. Dans tous les sens du terme. Pop. Alors. Ah bah tiens, on l'a encore un ici peut-être. Sur celui-là. Allez mon petit croco, donne-moi ta peau. J'en ai besoin. Et voilà. Ça c'est fait, il me manque un tigre. Voilà, ça va se terminer ces quêtes. Hein. Voilà. Alors il va me tuer, il va me demander. Vous avez vaincu les plus puissants des tigres de Sangolrand, vous êtes devenu une grande chasseuse de tigres, vous avez gagné le droit de mettre fin à votre chasse ici maintenant et sans déchoir. Néanmoins quelque chose vous dit que qu'un félin encore plus puissant vous attend quelque part dans cette jungle. Terminé la quête, la maîtrise de la chasse, Sindal. Les légendes parlent d'une tigresse insaisissable, un fauve si puissant qu'elle passe de loin même les vieux mâles. Les chasseurs d'expédition de Nessingwari l'ont poursuivi sans succès. Plusieurs d'entre eux sont tombés sous ses griffes acérées et leur corps se décompose maintenant au pied de sa colline au nord de Gromgol. Dans son nom est la bête Sindal. Vous voulez donc accomplir ce qu'aucune Meng n'a réussi pendant avant vous, traquer et tuer Sindal et la prendre comme sa patte comme trophée. D'accord. Oh, en plus des brassards intéressants. Tuer Sindal et rapporter sa patte. Une pièce d'argent, 9000 points. Une pièce d'or, 50, 9000 points d'expérience. D'accord. Alors attendez, je vais regarder un truc. Je vais regarder un truc, c'est. Attendez, non, c'est pas ça. C'est dans les collections. J'ai une nouvelle monture, visiblement. Monture. Ça, destrier. Ah oui, c'est le cheval du paladin, ça. Ah, on fait même plus Colomance, en fait, ou je sais plus quelle instance, là, pour... C'est nul, ça. Ça, vous voyez. Ça, c'est la monture du paladin dans World of Warcraft. Voilà, c'est ça. Mais moi, je l'aime pas. Je préfère celui-là. Le coup de la corne, bon, c'est pas mon truc, c'est pas mon trip. Après, ça c'est sympa aussi. Ça, moi j'aime bien aussi. Alors, on a fait les quêtes par ici, on va revenir. Vaincre Steven. Ah oui, ça c'est les trucs de. Le T-Raptor deviendra grand. On venait de cliquer sur la quête aussi de. Cette quête là, c'est la quête pour les mascottes.
torflagellant. Alors la bonne nouvelle, c'est que la chair de raptor, je peux la cuisiner normalement. Non ? Non, c'est la viande de gros silique que je peux cuisiner. Chair de raptor, je n'ai pas encore la recette. Je n'ai pas encore la recette. Il doit bien exister une recette quelque part, hein, fatalement. C'est trop loin. Oui, ça c'est pour les mascottes, ok. Moi ça m'intéresse pas pour l'instant. Lâche rien dans cet épisode. Alors, encore 4 raptors et on sera bon. Ce gros gorille là, ça vaut le coup d'essayer de l'attaquer. On peut essayer, hein, mais je sais pas si je vais arriver à le battre. On va essayer. Ouf, 4000 points d'expérience il donne. Ok, on continue. À recueillir les herbes. Il nous manque encore combien? 2 raptors. Ouais, de raptor, on sera bon avec cette quête. C'est quoi ça? Oh, c'est un murloc. Ça faisait longtemps qu'on en avait vu, tiens, des murlocs.
Il n'y a plus qu'un seul raptor et on est bon au niveau de cette quête là. Voilà. Petit raptor deviendra grand. Emmett Nessingwari Jr. doutait de vous, mais ces doutes étaient infondés. Vous avez littéralement massacré ces raptors. Vous recevez 7370 points d'expérience. Chasseur de grands sauriens, les raptors. Il existe une variété particulièrement méfiante des raptors, appelée traqueur de la jungle par la population locale. Ils rôdent dans la forêt au sud, sur l'autre rive du fleuve. Ils sont beaucoup plus difficiles à chasser et à tuer que les autres espèces auxquelles vous avez été confronté. Tuer ces traqueurs de la jungle vous donnera indubitablement matière à raconter de belles histoires autour du feu. Chasser 10 traqueurs de la jungle. Vous recevez 7370 points d'expérience. Très bien. D'accord, sachant que... Ok, c'est de l'autre côté de la rivière. C'est par là. Et avant, il y a cette petite plante à cueillir, voilà. Non, on en est où là? On a plein de sang royal, mais alors le problème... Merde, j'ai... On a la des huiles de feu et des huiles de feu. Pour faire de l'huile de feu, il me faut... Voilà, il faut ça. Et ça se pêche. Et je sais pas où ça se pêche, c'est ça le problème. C'est ceux-là qu'on a besoin de tuer. Donc on fera du coup Maraudon la prochaine fois. Ah mince, j'ai pas le temps de manger. J'aurais mangé tranquille, s'il vous plaît. Pour me rebooster. Ok, encore 3 raptors et on sera bon.
deux raptors. Encore un. Bah le voilà. Alors, chasseur de grand saurien les raptors, vous êtes plus simplement une chasseuse de raptors, non, vous êtes désormais un authentique fléau des raptors. Néanmoins, il existe un raptor légendaire qui vous échappe encore. Ça commence à faire à être répétitif. Alors, Tétis, la maîtrise de chasse aux raptors. Avant de retourner au camp de l'expédition de Nessingorif, vous devez réussir à l'impossible, traquer le raptor qu'aucun autre chasseur n'a réussi à capturer. Cette bête est surnommée Tétis et terrorise la région sud-est de Stranglehold septentrionale. Si vous rapportez la serre de Tétis au grand chasseur nain, cela lui vaudrait pouvoir que vous êtes une humaine sortant de l'ordinaire. Et on peut gagner une masse. Ouais, mais la masse bof quoi. Ou une bague. La bague est sympa par contre. Ok. La maîtrise de la chasse au raptor. Serre de Tétis, c'est par là. Bon, je pense qu'on va faire ça, puis on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura déjà fait pas mal. On va trouver ce raptor Tétis, là. Ah mince, il m'a vu. Bon, ça devrait m'a pas trop poursuivi. Ruin de Zial Jai. Alors, il doit être par là, ce raptor. On sait pas trop où. Oh. Il y a des herbes à cueillir. Mystique casse-crâne. C'est là, non? Non, même pas. Traqueur de la jungle. Il est par là, normalement, ce raptor, hein, mais où? C'est pas lui, en tout cas. Ça va être un plus gros raptor que les autres, à mon avis. Les trolls là, j'ai pas envie pour l'instant de les affronter. Par contre, faut qu'on trouve ce serait bien de trouver notre ami traqueur de la jungle. C'est pas celui-là. Où se cache donc Tétis traqueur de la jungle? Ce n'est pas là. Tétis, le voilà. Un peu plus coriace que les autres. Ok. Bon, ici j'ai plus rien à faire. Ici, quand je vais rendre les quêtes, ça va être la blinde de. Et le tigre. D'accord. 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 Ok. Bon, bah écoutez, de toute façon les amis, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cet épisode 44, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 45 des Chroniques du Nange de la Justice sur la chaîne LV888, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, salut, à la prochaine.